Salut à tous, c'est Skizar, on se retrouve pour une vidéo de présentation de l'avant-poste de Zimonja. Je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc voilà, vu de loin, bah, ça ressemble plus à une petite forteresse. Donc voilà, c'est vraiment une base militaire pour moi que j'ai fait. J'ai réhabillé tous les habitants en armure cage ou armure à pointe. Ils sont tous très bien armés. Fusil Gatling, lance-missile, lance-flamme. Donc voilà, je commence. On entre ici. Donc il y a les postes de surveillance avec les gardes, les tourelles. C'est très bien protégé. Après, je vais vous faire un petit test, voir si j'arrive moi-même à détruire ma propre base. Voir si les habitants sont à la hauteur. Donc la petite clinique. Voilà, c'est normal. Ici, il y a le dortoir. Donc les lits sont vraiment disposés de façon comme en mode militaire. Ici, il y a une petite table, un petit barbecue. Mais c'est pas très important. Des petites plantations. Donc ici et derrière, j'ai fait un petit champ. Vous avez un air dangereux. Voilà, c'est plus pour J'espère le que c'est pas roleplay. moi. Parce que toutes mes villes sont connectées entre elles, donc je n'ai pas vraiment besoin d'apporter de la nourriture, mais c'est pour le roleplay que j'ai fait un petit champ. Voilà, ils vivent en autosuffisance. Ici, le petit poste de cuisine où les soldats peuvent se reposer et manger, boire un verre, enfin voilà. Le salon, de nouveau pour se reposer. Alors, il y a les ateliers. Ici, établi d'armure, atelier, là le stock. Des champs. Alors ici on J'espère que vous monte, n'êtes donc pas voilà, aussi synthétique que c'est pas très l'espère. grand. Il y a que 9 colons en tout. Mais je voulais pas faire un truc énorme parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de place pour disposer des lits, etc. Donc voilà, je voulais juste faire une petite base, mais très bien gardée. Alors ici on a la réserve d'armes. Avec évidemment l'établi d'armes et beaucoup d'armes disposées un peu partout. Donc c'est un peu l'arsenal de la base. Alors le système électrique, tout est relié via la salle de commande qui est ici, où il y a l'ordinateur, enfin le terminal pour gérer les générateurs. Donc tout part d'ici, vous voyez le câble qui part jusqu'ici et ça dispatche dans toute la base. Donc voilà, on a déjà fait tout le tour de la base. Maintenant je vais, comme je vous l'ai dit, je vais la tester. Je vais les attaquer comme si j'étais un pillard ou un super mutant, ou enfin voilà. En tant qu'ennemi. Alors je vais prendre de l'avance. Je vais en sniper un d'ici. Et maintenant ils vont tous m'attaquer normalement. Et c'est parti. Ouais, déjà l'entrée est sur le côté, donc c'est déjà difficile d'accès. Je pense que Kate est en train de se faire cramer là. Je pense que je vais avoir du mal à rentrer. Pas le meilleur joueur à Fallout, mais je pense que les pillards, ils auront beaucoup de mal à rentrer dans la base. Pense que je suis pas au bout de mes surprises.
j'utilise pas toutes les packs parce que je considère que les pillards et super mutants n'en utilisent pas, donc je vais pas. C'est la fin de cette représentation de mon avant-poste. Si vous avez aimé, laissez un commentaire et un petit pouce. Si vous avez pas aimé, mettez un dislike, c'est pas grave. J'ai plusieurs projets encore sur Fallout, plusieurs bases à présenter, donc ça va venir petit à petit. Ben voilà, salut à tous et à la prochaine.